on va faire une évaluation rapide pour tester la lecture du livre « La place » de Annie Ernaux. Vous pouvez prendre un petit bout de papier, un stylo, pour noter rapidement les réponses aux questions. Comme ça, ça vous permet de vous évaluer. Il y a 8 questions, ça vous donnera une idée du niveau de compréhension et de souvenir de la lecture que vous avez. On attaque avec la question numéro 1. Que fait le père de la narratrice pendant la Seconde Guerre mondiale? Vous pouvez mettre pause pour noter et vous remettez lecture, je vais donner la réponse quand vous êtes prêt. Alors on est parti pour la réponse. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a un passage dans le livre où il raconte qu'il part à vélo, il va dans la ville d'à côté et il achète des choses pour les revendre dans son épicerie. Alors, je ne sais pas trop. En lisant, on voit de toute façon que la narratrice, donc Annie Ernaux, elle est un peu fière parce que son père, il a l'air d'avoir une mission, il ravitaille les gens de la région qui ne peuvent pas avoir accès à de la nourriture. Après, bon, c'est pas du bénévolat et il y avait des gens qui se sont quand même pas mal arrangés pendant la guerre parce que justement, ils vendaient plus cher des choses qu'ils allaient chercher à droite ou à gauche. Mais apparemment, là, d'après la narratrice, son père le faisait pour le bien des gens. Il allait ravitailler tout le monde avec son petit vélo. C'était difficile, c'était laborieux, c'était risqué et il faisait ça pour les gens de son quartier. Donc vous pouvez vous noter un point dans un coin de la feuille. Si vous vous êtes rappelé que le père, pendant la guerre, il s'occupait du ravitaillement des habitants de la vallée. Question suivante. Que font les parents de la narratrice pour résoudre leurs difficultés financières? Au début, leur café ne marche pas trop bien, donc ils vont chercher une solution. Quelle solution ils trouvent pour faire face à ces difficultés? Vous pouvez mettre pause pour noter et moi je vais donner tout de suite la réponse. Le père de Annie Ernaux va s'engager sur un chantier de construction. C'est dans le début du livre, hein. Ils sont contents, ils ont arrêté l'usine, ils ont acheté ce café, mais ils ne gagnent pas suffisamment d'argent. Donc, ils retournent travailler à l'extérieur et sa mère tient le café pendant la journée et le soir, le père vient l'aider. Si vous avez trouvé la bonne réponse, vous notez un point, on passe à la question suivante. Pourquoi le café épicerie, il ne rapportait pas autant d'argent que ce qu'ils avaient espéré? Je vais donner la réponse, attention. Eh bien, c'est tout simplement parce qu'ils sont dans un quartier pauvre et que les clients eux-mêmes sont des gens pauvres. Et du coup, il y en a beaucoup qui font crédit. Elle dit que rapidement, les gens commencent à demander à voix basse de dire s'ils peuvent avoir un crédit parce qu'ils n'ont pas d'argent pour payer leurs courses. Et donc, contrairement à ce qu'ils avaient rêvé et imaginé, ça ne rapporte pas tant que ça leur café épicerie. Si vous avez le point, vous le notez. On passe à la question 4. Pourquoi est-ce que plus tard, les parents de Annie Ernaux vont acheter un nouveau café épicerie à Y? Il y a deux villes, hein. Il y en a une ville qui s'appelle L et l'autre qui s'appelle Y, trois petits points à chaque fois. Pourquoi est-ce qu'ils déménagent? Je vais donner la réponse. Alors, ils ont déménagé parce que la petite Annie, elle avait des problèmes et ils se sont dit que le climat était moins humide et qu'elle serait mieux dans une autre ville. Si vous avez trouvé la réponse, vous notez un petit point. Pour l'instant, on a 4 questions. Donc vous savez déjà combien vous avez sur 4. On continue avec les 4 dernières, on va faire ça très vite. Alors, plus tard, la situation de ses parents s'améliore, ça va de mieux en mieux, mais son père a peur de quelque chose. Ça, c'est très compliqué, c'est très subtil. Qu'est-ce qui fait peur à son père quand ils ont moins de problèmes d'argent? Si vous avez une idée, vous mettez pause et vous le notez. Si vous n'en avez pas, vous pouvez écouter tout de suite la réponse. Son père, il a peur d'avoir honte, d'être un petit peu surclassé, de se retrouver au milieu de gens qui attendent de lui d'avoir un certain statut et de ne pas être à la hauteur. On le voit dans plein de choses, dans sa façon de parler, dans sa façon de décorer le café. Il a peur que les gens trouvent qu'il a des habitudes de pauvre ou même de paysan. Il y a une grande peur de la honte chez ses parents. Vous notez si vous avez le point, on passe à la question suivante. Que souhaite le père de la narratrice pour sa fille? Elle le dit un moment à la fin du livre. Elle se dit que son père, il a peut-être réussi quelque chose. Qu'est-ce que c'est? On va donner la réponse. Il souhaite que sa fille ait une vie qui soit meilleure que la sienne. C'est une réponse un petit peu banale parce que j'imagine que la plupart des parents veulent le meilleur pour leurs enfants. Allez, une petite question sur un détail. On va voir si vous avez retenu dans cette lecture une petite question bien précise, la question numéro 7. Quel signe matériel montre que la vie de ses parents s'est améliorée?
Si vous le savez, vous le notez. Sinon, je vais donner la réponse, un petit indice. C'est un achat. Qu'est-ce qu'ils ont acheté dont ils sont très fiers? Il est sur une photo à un moment, elle en parle dans son livre. Ils ont acheté une voiture et précisément une 4 chevaux. Un point si la réponse est juste. Dernière question du quiz. Il y a un sujet qui est un sujet de discorde, qui est un fossé qui s'est creusé entre la narratrice et son père. Qu'est-ce qui est un problème entre eux? C'est la dernière question et c'est presque le cœur du livre, cette question. Si vous le savez, si vous avez une idée du sujet qui les sépare, trouvez une façon de le conceptualiser, vous le notez. C'est tout ce qui est en lien, je donne la réponse, là, attention, c'est tout ce qui est en lien avec le langage. Ils n'ont pas la même façon de parler. Il y a même un moment dans le livre où elle dit « Je pensais que mon père avait toujours tort parce qu'il ne savait pas discuter ». Et dans tout le livre, hein, elle relève un petit peu les façons de parler de son père. Il y a un passage qui est rigolo où elle dit quand il est à l'extérieur, il se donne un petit peu des airs, il essaye de se tenir et de parler correctement. Mais quand il s'énerve, par exemple s'il dispute sa fille parce qu'elle grimpe sur un tas de cailloux, il reprend son langage qui est un peu une forme de patois, qui est un petit peu plus maladroit. Et elle dit de toute façon, s'il m'avait disputé avec son langage artificiellement poli, j'aurais même pas eu peur. Voilà, c'était un petit récapitulatif. En même temps de l'histoire du livre à travers ces 8 questions, vous avez normalement déjà une première idée de si vous avez retenu quand même un petit peu suffisamment de choses de cette lecture. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez réussi ou pas cette évaluation et si vous avez trouvé que c'était intéressant. Sur notre chaîne, vous pouvez trouver d'autres choses en rapport avec ce livre. Vous pouvez trouver d'abord la lecture. J'en ai fait toute la lecture, j'ai lu le livre complet. Vous pouvez l'écouter, je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Et j'ai résumé partie par partie tout ce qui est dans le livre. C'est un résumé très détaillé, je mettrai aussi le lien. Et je vais très bientôt faire un résumé rapide que je vais essayer de faire en moins de 5 minutes pour se remémorer rapidement ce qui se passe dans le livre. Je mettrai aussi le lien en description. Merci d'avoir partagé ce petit moment de jeu avec nous. Bon courage à ceux qui étudient et surtout continuez à lire.